édition du BitGrid peut être réalisée depuis le logiciel Engine Prime, mais bien sûr aussi directement sur le Prime 4. Pour commencer, appuyez et maintenez le bouton Edit Grid qui clignote pour indiquer que le mode d'édition est activé. Appuyez sur les boutons avant et arrière pour déplacer la grille par battement individuel. Doublez ou réduisez de moitié le tempo de la piste en maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant sur les mêmes boutons avant et arrière. L'ensemble de la grille de battement peut être déplacé précisément en tournant doucement le plateau. Si vous êtes satisfait des réglages, appuyez simplement sur le bouton clignotant Edit Grid pour valider. Pour revenir à l'état original, maintenez la touche Shift et appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton. Il est également possible d'éditer vos BitGrid à l'aide de l'écran tactile en touchant les icônes de réglage correspondantes. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la sortie de zones exclusives et des deux canaux micro dédiés.